Mine damen og herrer, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bienvenue. Welcome au cabaret du festival Mix-Up French Style. French Style? Why? Nous avons très mauvaise réputation, vous savez, les Français en général, sur notre manière de parler les langues étrangères. Eh bien, ce soir, nous allons lancer un défi à vous qui nous écoutez et à nous qui allons prendre la parole. Parler dans toutes les langues européennes, que ce soit du portugais à l'allemand, à l'espagnol, à l'anglais, à l'irlandais, à l'italien, au français, au suédois, toutes ces langues vont circuler ce soir dans tous les sens. Vous allez les entendre, vous allez chanter avec, vous allez danser avec. C'est une soirée exceptionnelle. Et nous devons cette soirée et la rendre possible grâce à l'équipe formidable du studio Sextant et de l'EMC Focus. Il y a autour de moi une flopée de techniciens, techniciennes, des conteurs, des musiciens. Vous allez voir petit à petit apparaître leurs noms quand ce sera le bon moment. Nous allons partager des histoires, de la musique et puis nous avons un invité spécial. Vous verrez sa main circuler sur le papier, il va dessiner peut-être des aspects profonds de nos pensées pendant que nous écoutons les histoires dans d'autres langues que la nôtre. S'il y a bien une chose qui est capable de nous réunir dans un temps aussi difficile que celui-là, c'est certainement pas les interdictions ni les frontières. C'est au contraire ce qui peut nous réunir, nous rassembler, faire de nous des êtres qui comprenons tous la même langue. La langue du cœur, la langue de l'échange. Alors, bonne soirée et à bientôt. Chez moi, il y a des bonnes gens, il y a des bons hommes et puis il y a des bonnes femmes. Il y a des grands, pas tant que ça, il y a plutôt des petits. Il y en a des raides comme un piquet, il y en a des ronds comme une barrique. Il y en a. Tu les vois pas, tu les entends pas, mais il y en a d'autres qui hugent. Ils n'ont rien à dire, ben souvent, ça fait un faux qui hugent. Et puis, Gemma, t'as les bonhommes d'un côté, les bonnes femmes de l'autre. Quand les bonnes femmes sont à la messe, qui sont les bonhommes, au bistrot, c'est partout pareil. Et quand les bonnes femmes sont au café de 5 heures dans les maisons, les bonhommes, ils sont en train de jouer au palais dans la grange. Et c'est comme ça que les ménages tiennent bon chez nous. On ne se veille point, on ne se chicane point. Et puis chez Emma, il y a la famille Vallée, il y a la famille Jeannin, il y a la famille Bougot, il y a leurs voisins, les Bételottes. Et puis chez Emma, il y a le gars Constant. Il y a la belle-sœur à Eugène, il y a la mère à tonton Mille, il y a la tante à Mélanie. Il y en a plein d'autres par schéma. Et puis des fois, schéma, il y en a qui passent. Et on ne sait pas d'où qui viennent. C'est le fils à qui, ça? Mais d'où qui vient? Tu le connais, mais d'où qui vient? On n'aime pas ça, schéma. Rien savoir sur les autres. Quand c'est de même, on aime bien mieux un venteux. C'est comme ça que les ventiers, c'est les peut-être. En galop. C'est comme ça que les ventiers deviennent vérité. À tort, des fois. Ouais. Mais c'est ventiers comme ça que naissent les histoires. Moi, tout petit déjà, on voulait me faire parler. Ah. Oui, on me mettait des mots dans le biberon. Des mollets. Longue conversation, épithète. Je tétais la grammaire comme une vache espagnole. Oui, parce qu'on voulait me faire parler espagnol. Mais en espagnol, il y a des mots, c'est des frères ennemis. Ah. Oui, tu vas dire par exemple constipado. Oh. Eh bien, ça veut dire enrhumé. Ah, d'accord. Ouais, et resfriado, ça veut dire refroidi. Mais en France, si on te dit que t'es refroidi, c'est que t'es mort. Et la mort, en espagnol, c'est l'amour. C'est la mort. Moi, quand j'étais petit, j'étais enrhumé, on me disait « Tu tienes un gâteau pour la garganta ». Toi, t'as un chat dans la gorge. Oui, parce que le chat, c'est gâteau en espagnol.
Et moi, je me pensais, si t'as un gâteau dans la gorge, tu le manges. En gallo, gâchao, tu le rouches. Ben oui, c'est pareil. Pareil. Mais attention, parce qu'en espagnol, manger, c'est comer. Et pour moi, comer, c'est une vieille qui disait du mal de tout le monde. Quand tu la voyais, valait mieux partir. Pareil. Mais attention, partir en espagnol, c'est pas la même chose, c'est faire deux parts. Si. C'est rompre. Remarque, en français, si tu dis romper, ça veut dire tu peux partir. Mais partir en espagnol, c'est salir. Tu vas quand même pas salir avant de partir. Non, non, j'essaye pas de noyer le poisson. Hein? Non, noyer le poisson. Tu connais l'expression? Neyeul paysson. Le paillasson? Non. Neyeul paysson. Ah, vous dites ça en gallo? Si. Ah ouais? Si. Parce qu'en espagnol, le poisson, c'est pesce. Ah oui, mais attention, s'il est vivant, hein, parce que s'il est mort, c'est pescado. Pescado. Ça veut dire pêcher. Si. Oui, parce qu'il a deux noms, le poisson en espagnol. Au début, il vit tranquillement en pêche, et puis après, il vit dans le péché. Ouais. Mais attention, pechar en espagnol, c'est pas la même chose, c'est payer ses impôts. Et pecho, c'est la poitrine. Par exemple, t'es malade de la poitrine, t'es enfermo del pecho. Bah oui, autant rester enfermé si t'es malade. Mais tu risques de t'empâter. D'ailleurs, empatar en espagnol, c'est faire match nul. C'est nul. En français, si t'es nul, t'es un tocard. Mais alors, tocard en espagnol, c'est toucher. Si. Par exemple, toucher la retraite. Tocar la jubilación. La jubilación. Oui, parce que tu jubiles quand t'es en retraite. Ah, d'accord. Alors que si t'es enceinte, t'es embarassada. Qu'est-ce que... Hein, qu'est-ce que tu veux répondre? Bah, je réponds rien, de rien. Et d'ailleurs, répondre en espagnol, c'est contestar. Contester. Et estar, c'est le verbe être. Mais attention, le verbe être... temporaire. Tu vas dire, par exemple, « estar sur une chaise si. ». Mais si tu es assis, si t'es pour toujours, c'est « ser ».« Ser un hombre ».« Ser una mujer ». Voilà, être un homme ou une femme. Enfin, aujourd'hui, ça peut changer, d'ailleurs. Si, hein. Si, ouais, si, ouais. Si. D'ailleurs, l'homme, c'est « hombre ». L'ombre, c'est « sombra ». Sombre, c'est « oscuro ». Mais ça ne veut pas dire « au secours ». Ah. D'ailleurs, au secours, c'est ce que j'ai dû crier quand, étant petit, quand je suis né. Au secours! Porque? Hein? Porque au secours? Pourquoi au secours? Sabes a que se parece un niñito en el vientre de su madre? Un bébé dans le ventre de sa mère? Se parece un libro. Un livre? Un libro plegado. Un libro que se escribiría página a página, día a día, durante 9 meses. Pero, ¿por qué un libro? ¿Por qué un libro? Porque un libro. Mira su piel. Está arrugadita como el pergamino. Ah, como el parchemin. Sí. Oui, c'est beau. Mira cómo se pone. Los manos en las sienes. Las rodillas en los talones, los talones del culito. Ah, sí. Parece de vera un libro plegado. Un livre replié. Y el niño libro siente muchas cosas a través del vientre de su madre. Siente muchas cosas, oye muchas cosas. Y no solo eso. El niño libro lo ve todo, de una punta del mundo a otra. C'est magnifique. Gracias a una lucecita encima de la cabeza. Ah, il a une petite lampe au-dessus de la tête. Sí. C'est pour ça qu'il voit tout. Cuando nace, sí. El niño libro ha tanto visto, ha tanto oído, tanto sentido, que se pone a gritar. Ah bah oui, il se met à crier tellement il y a des belles choses, il veut tout dire, quoi. Quiere hablar, quiere contar todo, pero baja el ángel de la vida. Ah, l'ange de la vie qui arrive. Le pone el dedo sobre la boca. Chut, chiton. Por eso, todos tenemos, mirad sus vecinos, todos tenemos un ojito, una pequeña marca entre la nariz y el labio superior. Ah, oui. En algunos, oui. El ojito es más hondo, son ah, oui. Los más charlatanes. Ah, il a dû appuyer plus fort. C'est les conteurs, los narradores.
C'est les plus bavards, quoi. Desde este momento del nacimiento, nos pasamos la vida entera buscando lo que sabíamos ya en el vientre de su madre. ¿Qué es? Y que ya no recordamos. Se llama ¿Cómo ser feliz? Comment être heureux? Ça, c'est la porte ouverte à toutes les histoires. Toutes les histoires. La historia que yo voy a contar, c'est pas ça, en los bayous de Louisiana. Louisiana, no Bretagne, Louisiana. Ça se passe dans les bayous de Louisiana, où je suis allé avec Muriel Bloch et Abby Patricks. Alors, c'est des espèces d'étangs, fleuves, comme ça, et hay cocodrilos que pasan. Hein? Crocodile, cocodrilo. Si. Y a veces son tronco de árbol. C'est des troncs d'arbres aussi qui passent dans l'eau. Es muy difícil saber la diferencia entre los dos. Voy a hacer la diferencia. Tronco de árbol. Si. Cocodrilo. Sí, no hay diferencia, ¿no? Muy difícil. ¿Eh? Bueno, ese día había un cocodrilo que tenía hambre, y porque estaba 12:30, y había visto a una liebre al bordo del bayou. ¿Un liebre? Oui, il avait vu un lièvre au bord du... Una liebre. Sí, una liebre. Una. Un lièvre, c'est una liebre. Sí, porque le lièvre es muy inteligente. Y se dice la, una. Bueno, y el cocodrilo tenía mucho hambre y se dejaba deslavar, y se laissait glisser jusqu'au bord pour manger le lièvre. La liebre lo miraba y estaba un poquito inquieta. Y al último momento dijo, porque no sabía si era un cocodrilo o un tronco de árbol. Y dijo al último momento, y la di, como sabe, una frase que lui est sortie. Si tu eres realmente un cocodrilo, venga y comema. Si tu es un vrai crocodile, viens et mange-moi. Pero si tu eres un tronco de árbol, date la vuelta y te ve al revés del corriente. Pues, si tu es un tronc d'arbre, fais demi-tour et remonte au courant. Mm. Oui, c'est des paroles que tu dis au dernier moment, vraiment. Par peur. Si, pero el cocodrilo estaba destabilizado. Porque se dijo, si voy adelantando, él va a saber que yo soy un cocodrilo y se va a escapar. Entonces, si quiero estar un tronco de árbol, tengo que darme la vuelta e irme al revés del corriente. Muy bien, sí. Y así lo hizo, pero no como. Il a rien mangé, du coup. Était midi. Ouais. Et después había... cazadores, il y avait des chasseurs con arpón para arpón, arpón, sí, para sacar la piel, para hacer zapatos y sac de crocodile, tu vois. Terminó el pobre cocodrilo al brazo de una mujer en los Champs-Élysées, c'est una mujer un poquito m'as-tu vu y su marido con zapatos de cocodrilos. Y fue muy difícil. Y después se separaron. Mais si con el primer confinement, mucho difícil. Sí, y el pobre cocodrilo no sabía dónde ir, estaba peor. Bueno, volvemos a la liebre. La liebre estaba un poquito extrañado, porque dijo, es la primera vez que veo a un tronco de árbol irse al revés del corriente. C'est la première fois que je vois un tronc d'arbre qui remonte le courant. Y atrás había otro cocodrilo. Y había un otro crocodile derrière. Estaba las 12:45, tenía mucho hambre. Abro su boca para comérselo. Ay. Pero al último momento dijo, es la primera vez que voy a comer a una liebre que habla mucho mal español. Y de Bretaña, normal. Y ese tiempo de reflexión lo ha atrasado. Y entonces... La liebre veo una sombra arriba y salto de toda su fuerza al lado. Y el cocodrilo, ¡clac! ¡Ay, las muelas! Se rompió las dientes.
Il nous habille à dentista. Hein. Domingo. Oui, non, il no, no, dentista, non, non, non. Il termine muy mal parce qu'il habille arpones, ça. Ah, pero termino en atelier clandestin, si, con gordas costuras. Oh, no calitas. No, low cost, low cost. Very, very bad. Very, muy, muy mal, muy mal. Bueno, volvemos a la liebre. La liebre saltó de toda su fuerza al lado, pero se cayó dentro del bayou, de todo el bayou. Y no sabía. No sabía nada. No. Pero una suerte increíble. Al momento que iba a tocar el agua, pasaba un tronco de árbol y se encontró encima. Pero él no sabía si era un tronco de árbol o un cocodrilo. Y tenía mucho miedo y se fue así despacito, pasó abajo de un puente donde había un cazador. Sí, ya había un cazador, un pescador, sí, sí. Ah, es mejor. Ah, pescador. Sí, pescador. El sí. Pescador, cuando veo la liebre, dijo, la próxima vez iré a cazar. J'irai chasser la prochaine fois, à cazar. Cazar, no, no, pas la caza, no. Cazarse. No, cazarse, no, cazar. Pom, pom. Ah, pff, escopeta. Escopeta, pff. Sí. Y volvió a su casa para ir a buscar la escopeta. Normal. Pero como estaba temprano, su mujer no estaba sola. Il est arrivé trop tard, trop tôt. Oh là là. Y se terminó muy mal con la escopeta, muy mal. Bueno, pero el cocodrilo, él, siguió su camino y se fue y no sé... Lo que ha ocurrido después, nos hemos perdido de vista. Una carta de vez en cuando, no, no sé si ha existido. Sí, es la historia. Lo que es cierto es que para vosotros nunca le va a olvidar. Wow, nada. Thank you.
au début des Anfangs, Dieu schuf die Welt par la parole. Er sagte und les choses entstanden. Il a créé das Paradies und er platzierte dort Adam et Ève. Ils y étaient wohl. Mais zu dieser Zeit, ils n'avaient pas die Sprache. C'était vorbehalten à Dieu. Hin und wieder, il leur sprach. Et ils écoutaient sehr artig zu, même quand c'était lang et nicht sehr intéressant. Ils pouvaient juste mit den Tête nicken. In diesem Jardin, qui était das Paradies, avait poussé einen Baum, der Früchte donnait. Adam und Eva durften faire exactement ce, was sie wollten, sauf, außer, un fruit de l'arbre zu beißen. Ihnen ne manquait de nichts, mais ils waren sacrément gelangweilt. Alors, eines Tages, Adam probierte le fruit. Gott avait dit, es sei interdit. Mais il hatte nicht expliqué warum. Si c'était verboten, c'était weil il n'avait das Verdauungssystem digestif noch nicht fabriqué. Nichts ne pouvait runterkommen. Adam a goûté die Frucht et le morceau blieb stecken. Adam fing an zu tousser, à rülpsen, à pousser Geräusche tous plus seltsamer les uns als die anderen. Je pense. Ich denke. Mama, intrigué, Eve ne hörte sich. Elle aussi nahm eine Frucht. Auch sie y a goûté. Und auch sie a sorti einige erstaunliche Sons. Demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, garchonne, etc. und so weiter. Es dauerte longtemps, wirklich longtemps. Es machte un tel boucan, dass Gott mitten in seinem Sieste weckte. Und wenn une chose il y a, das Gott déteste, es ist genau das, qu'on le wecke au beau milieu de sa Nickerchen. Gott wurde fâché. Non mais es ist nicht possible. Ich gebe euch un jardin. Vous pouvez gehen wohin vous voulez. Vous pouvez faire was ihr wollt. Et ihr, was macht vous? Ihr esst un fruit? Entschuldigen Sie moi, Monsieur Gott. Durch des sons bizarres zu machen, avaient Adam et Eve le langage erfunden. C'est pas meine Schuld. Sie m'a dit es zu tun. Eve? Wurde ganz rouge. Aber, nein, es ist nicht ma faute. Elle a regardé rings im Kreis um. Le serpent passait vorbei. C'est lui, die Schlange, hat mir dit de le faire.
Und da le serpent keine Frucht n'avait mangé, il n'a pas pu sich verteidigen. Dieu, tollwütig. Non pas tant, dass sie ungehorsam avait été, sondern vor allem, qu'on lui réponde. Wies innen, du paradis hinaus. Il leur a dit, dass sie jetzt allein se débrouiller mussten. Il leur a schnell fabriqué un Verdauungssystem digestif und ein Fortpflanzungssystem reproduktiv. Et von diesem Tag an, ils ont dû etwas zu essen trouver et Kinder mettre au monde. Mais ils avaient gagné das Wort, qui ne les a plus ni verlassen. Paraíso, não? Paraíso, falar outra língua. Falar uma outra língua é como entrar na outro universo, não? Parler une autre langue, entrer dans un monde différent, un autre univers. Obrigada por me ouvir. É uma oportunidade para mim de falar a língua portuguesa que gosto muito. Paraíso, le paradis des langues. E para começar, queria começar com uma poesia de país muito querido, o Brasil. Poeta bem conhecido no Brasil que se chama Carlos Drummond de Andrade.
no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das. Mas minhas retinas estão fatigadas. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei. Au milieu du chemin, il y avait une pierre. Il y avait une pierre au milieu du chemin. Au milieu du chemin, il y avait une pierre. Et jamais je n'oublierai cet incident. Dans la vie de mes rétines si fatiguées, jamais je n'oublierai qu'il y avait une pierre au milieu du chemin. Une pierre. Na cada vida fica uma pedra, não? Nous avons tous une pierre au milieu du chemin. Et essa noite, para mim, queria criar uma palavra paz. Palavra paz no meio do caminho. Et j'ai découvert que Carlos Drummond de Andrade, à peine marié un an plus tard, a eu un fils. Mais ce fils n'a vécu à peine une demi-heure. Carlos Flavio, a peine meia hora. Dans chaque vie, il y a une pierre. Et ma pierre à moi ce soir, c'est une toute petite pierre. Celle de la traduction, de ne pas trahir une autre langue que la mienne. No meio do caminho, tinha uma pedra. La vie est faite d'obstacles. Et Carlos Drummond de Andrade, grand poète, avait aussi écrit un petit quadrille que voici, que se chama Quadrilha. Muito agraçado. Engraçada. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou pra tia, Joaquim suicidou-se, Lili casou com João Pinto Fernandes, que não tinha entrada na história. Puxa. Vous l'aurez compris, c'est une triste histoire de n'être jamais aimé par celui qui vous aime. Ainda a vida. Amor complicado, não? Muito complicado. Mas para mim, Carlos Drummond de Andrade é um poeta muito atual. Queria dizer ces quelques vers empruntés a um poema très connu au Brésil que s'appelle Mãos Dadas, les mains. Não serei a poeta do mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso na vida. O presente é tão grande. Não nos afastamos. Não nos afastamos muito. Vamos de mãos dadas. O tempo é minha matéria. O tempo presente. Os homens presentes. A vida presente. Poema A Vida. De solidarão, de la solidarité de tous.
Caetano Veloso, grande cantador, cantor. Yaya. Hein? Yaya. Non, pas tout de suite. Non, tu, d'abord, là, donne-leur à entendre cette musique de Caetano Veloso, parce que je me suis permise, non pas de vous la chanter en français, mais c'est une chanson qui dit « Alguém cantando ». Ça veut dire « Il y a quelqu'un qui est en train de chanter ». Et moi, j'ai transformé par « Alguém », quelqu'un, « Dizendo ». Il y a quelqu'un qui parle. Et vous allez comprendre les paroles de la chanson. Alguém dizendo longe daqui. Alguém dizendo longe, longe. Alguém dizendo muito. Alguém dizendo bem. Alguém dizendo é bom de te ouvir. Alguém dizendo alguma narração. A voz de alguém nessa imensidão. A voz de alguém que dizer. A voz de certo alguém. Que diz como quer para ninguém. A voz de alguém quanto vem do coração. De quem mantém toda a pureza da natureza. Onde há não perdão, não pecado. Il y a quelqu'un qui parle quelque part, loin d'ici. Quelqu'un qui parle bien. Et c'est beau d'écouter quelqu'un qui parle au loin. La voix de ce quelqu'un. Qui peut parler sans être vraiment écouté par quelqu'un d'autre, mais la voix de ce quelqu'un, c'est comme une histoire qui est lancée dans la grande immensité, la beauté de la nature. Et cette voix-là, elle n'est ni un péché, pecado, ni un pardon, perdão. Então, vou contar uma fábula da Nigéria, de um grande escritor que se chama Achebe, é pai da literatura africana. C'est une petite fable que vous connaissez peut-être. A fábula do leopardo e da tartaruga. Le grand léopard et la petite tortue. No meio do caminho, grande leopardo. No meio do caminho, viu a tartaruga, a pequena tartaruga. Ótimo para minha barriga. Je vais me régaler, j'ai faim. Et quand la petite tortue voit le grand léopard, elle comprend. Oh, léopardo, j'ai faim, petite tortue, je vais te manger. Si, signor, si, si. Ma, por favor. Por favor, vous me préparez, posso? J'ai besoin de me préparer, d'accord? Et un grand seigneur, le léopard accepte. Prépare-toi, je t'attends.
tout esperando pour vous. Et voilà que la petite tortue, pequeña tartaruga, elle se met à courir, à qui corre para, na todas direções. Et con pequeñas pernas, leva la poira, toute la poussière, elle soulève avec ses pattes, et elle s'agite dans un sens, dans l'autre, et elle court sans s'arrêter. A pesar de uma situação totalmente desesperada, não? E o leopardo s'impatiente. Pronta ou não? Tenho fome? Oui, si, senhor. Je sais que tu as faim. Je suis prête. Mas por que tão agitação? Por que? Chafarica. C'est quoi tout ce bordel là, toute cette poussière soulevée? Pourquoi? Puisque je vais te manger. A tartaruga, corajosa, pequena tartaruga. Devant le grand léopard, elle dit tout simplement: tu vois, no meio do caminho, j'ai laissé des traces. Et quand les gens passeront no meio do caminho, ils verront les traces que j'ai laissées. Et ils se diront: à qui? Combate feroz entre dos lutadores da igual força. Ils se diront: là a eu lieu un combat entre deux lutteurs de même force, un grand léopard et une petite tortue. Et la tortue a tenu bon, elle a résisté. Et c'est pour ça qu'ici même, j'ai laissé des traces, car j'espère qu'à eux aussi, ça leur donnera envie de résister. Belle leçon de la tortue au grand léopard. Courage, dignidad. Et à votre avis, est-ce que le léopard a mangé la tortue? Non sei. E o fim da história. Resistir. João Mota é meu professor de português. E fula. Mas João Mota é da Guiné-Bissau. E para você, conto da Guiné-Bissau, da ilha de Batuc? Bijagô. Bijagô é cidade de Batuc ou? Bubac. Bubac. D'accordo. Il faut vous imaginer la grande forêt dans l'île. Une bande de singes, macacos. Ils sont là, tous les singes. On les appelle les macacos com nariz branco. Ils ont le nez blanc, les singes de l'île, les bijagos. Et ils jouent d'arbre en arbre. Et voilà qu'un jour, il y a toujours un jour dans les histoires, même chez les singes, même chez les macaques. L'un d'eux dit: j'aimerais bien, regardez, j'aimerais bien jouer avec la lune, elle est ronde comme un ballon. Bonne idée. Et si on allait sur la lune pour jouer? Allez, on y va. Ma lua est longe, et longe, et muito longe. Comment faire? Elle est si loin. Et chef, oh macaco, meilleur, le plus vieux de tous les singes, dit: oh, les amis, calmez-vous. La lune est belle, oui, mais gelada, non? Il doit faire froid là-haut, oubliez. Non, non, non. Non, on va aller la chercher et puis on lui demandera de descendre. On ira la chercher pour l'installer sur la terre et comme ça on pourra jouer avec elle. Que boa ideia!
Bah comment faisait? La lune est si loin pour aller la chercher. Les macaques s'organisent. Ils cherchent l'arbre le plus haut de la forêt. Ils grimpent au sommet. Ha! Mais la lune est encore bien trop loin. Alors les macaques redescendent les uns derrière les autres et ils cherchent la montagne la plus haute de la forêt. Et ils grimpent jusqu'au sommet. Ah! Presque! Mais la lune est en longe. Déception, tristeza, comment faire? Au chef, au mayor, macaco comme nariz branco. On y est urinai, oh? Oui, d'accord. On va faire une colonne en montant sur les épaules des uns et des autres. Et comme ça, moi le chef, je serai à la base et vous monterez sur mes épaules jusqu'au plus petit, au macaquinho, au pequeñino, là-haut. Et lui le petit, c'est lui qui pourra attraper la lune. Ils ont trouvé l'idée géniale, une idée de chef macaque. Et tous les singes ont sauté sur les épaules, du plus âgé au plus jeune. Et il y avait une colonne de corps de singes. Une colonne très, très, très haute, si haute que le pequeñino, le petit macaco, macaquinho. Ah, ah oui, il était, oui, il touchait là, à l'oua. Mais en bas, les autres, ils commençaient à fatiguer, surtout le chef, le plus vieux. Et il a commencé à craquer, une jambe lui faisait mal, et tous, à cause du chef, du plus vieux, ils sont tombés. Tous sont tombés, mais lui, le petit, il avait réussi à s'agripper au bord de la lune. Et quand la lune a vu qu'elle avait de la visite, un petit macaconé blanc, alors vite, elle l'a attrapé et elle l'a aidé à s'installer avec elle sur la lune. Waouh! Aloha! La lune n'était pas gelada, non? La lune était tellement contente d'avoir un visiteur. Il était en bonicino, hein? Une merveille, ce petit singe. Elle l'a prise dans ses bras, comme font les mères. Et pour le petit singe, elle est devenue Mamma Lua. Et lui, il s'est laissé faire. Et la lune était tellement contente de cette visite qu'elle a offert au petit singe un cadeau qui n'existait pas encore sur la terre. Elle a offert au petit singe un tamborino. Et le petit singe a pris le tambour et il s'est mis à jouer pour les oreilles de la lune. Et du matin au soir, dans la lumière de la lune, qu'elle soit pleine ou mince, alors il jouait au macaquinho. Il jouait de son tambour. Et la lune écoutait, et la lune était heureuse, mais le temps passait. Et le petit singe au macaquinho, il s'ennuyait. Il avait la saudade de ses amis de la forêt, la saudade des arbres, des coqueros, des bananeras, des mangueras, todos árboles da floresta. Il rêvait de sa forêt, de ses amis. Il se sentait si seul sur la lune. Alors, il n'avait plus le cœur de jouer. Et la lune s'en est aperçue, lui a demandé la cause de sa tristesse. Et le petit singe a raconté le monde d'en bas. Totalement inconnu pour la lune, la terre. Avec ses arbres, ses animaux, les singes dans la forêt. Il lui a tout raconté. Et il lui a si bien raconté que la lune a compris la nostalgie, la saudade du macaquinho comme nariz branco. Et elle a compris
qu'elle allait l'aider à redescendre sur la terre. Elle lui a proposé de fabriquer une corde très très longue. Le petit s'accrocherait à la corde, certes, mais il s'asserrait sur le tambour. Et une fois accroché à la corde avec le tambour, alors la lune ferait descendre la corde jusqu'à la terre. Lentement, sûrement. Et elle a dit au petit que seulement quand ses pattes toucheraient le sol de la terre, alors et alors seulement il pourrait frapper son tambour. Elle écouterait et elle couperait la corde. No meio do caminho. Le petit singe, accroché à sa corde, tellement heureux de revoir les siens, de rentrer enfin chez lui dans la forêt, accroché à la corde, assis sur son tambour, no meio da corda, au milieu de la corde, soudain il a eu envie de frapper son tambour. Mais tout doucement, tout doucement, tout doucement. Mais il y avait du vent ce jour-là, et le vent a soufflé, et le vent a entraîné le son jusqu'aux oreilles de la lune. Elle a reconnu le son du tambour et elle a pensé, les gars, meu filho, macaquinho, e già, na terra. Alors elle a coupé la corde puisqu'il était arrivé. Mais le petit n'était qu'un meio do caminho, na corda. Et il est tombé, tombé, tombé de très haut encore, entre Mamma Lua et Mamma Terra. Il est tombé. Il est tombé, mais il était si petit par chance. Il est tombé dans les bras d'une jeune femme qui dansait, qui chantait près d'un feu. Oh ! Elle a reçu le petit dans ses bras. Et lui ne croyait pas à une telle chance. Il était vivant. Et elle, elle l'a regardé et l'a demandé « Que es-tu ?» en désignant le tambour. « Qu'est-ce que c'est ? On n'en avait encore jamais vu sur la terre. » Alors le petit singe a parlé de sa mère, lune, du cadeau qu'elle lui avait fait et de la musique du tambour. Et il a fait sonner son tambour. Et il l'a fait sonner, c'était tellement beau, c'était la première fois que sur la terre, on entendait le son du tambour. Et depuis, grâce au petit macaque au nez blanc, le tambour est arrivé non seulement sur la terre d'Afrique, mais partout. Et chaque fois qu'un homme joue du tambour, sachez que là-haut, Mamma Lua écoute, est bon à escuchar, au son du tambour, et son meilleur. Ainsi. Ah, si, é a história do macaquinho com nariz branco. Muito obrigada. Muito obrigada, senhor. Thank you.
la la la. Cammina, cammina, l'uomo cammina. Da tanto tempo, da quando era giovane. La 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 la. È arrivato adesso in un paese che non conosce. Allora quello che fa di solito è di andare nel primo villaggio, nella prima città, il s'assoit a un café, un terrasse, e il commande à boire. La 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 la. E poi comincia a parlare con le persone che sono sedute accanto a lui. E come al solito fa loro sempre la stessa domanda. À la même question, on répond toujours de la même façon. È per caso questo il paese dell'immortalità? Immortality? I don't think we have it here. You may try in the next country, perhaps. La immortalità, solamente Dio se la tiene. Ehi, chi ste pazzo, San Gennaro? Chi ste completamente pazzo? Beh, ici, qu'est-ce que tu veux? On meurt comme dans le monde entier, cela fait partie de la vie. Alors il reprend son chemin. E cammina, cammina, vuole trovare il paese dove non si muore mai. Aujourd'hui, il arrive devant une grande forêt. Comme si personne n'avait jamais été là. Elle est intacte, dense, vierge. Pourtant, un bruit vient du centre de la forêt. Il le suit. Il y trouve un vieillard, une longue barbe blanche. Il est vraiment très vieux. Il est en train de couper du bois. Il se salue, il pose sa question. Et pour une fois, l'autre, le vieillard, a une réponse originale. Jeune homme, je ne sais pas si un tel pays existe. Ce que je sais, c'est que moi, je vivrai le temps qu'il me faudra pour couper toute cette forêt, un petit morceau pas plus grand qu'une allumette. Tu peux rester avec moi si tu le souhaites, m'aider, et tu vivras le temps qu'il faudra. Combien de temps faut-il? Un siècle? Deux? Trois? Peut-être, mais c'est toujours un temps fini. Non, merci. Et cammine. Cammina, l'uomo cammina sempre, fino ad arrivare ad un'immensa montagna così grande che fa ombra al sole. E là, ai piedi della montagna, un vecchietto con una lunga barba bianca che arriva fino ai piedi, che con una carriola sposta poco a poco la montagna da lì a lì perché il sole possa ritornare nella vallata. Saluta il vecchio e l'uomo gli fa sempre la stessa domanda e ottiene la stessa risposta del precedente. Quanto tempo ci vuole per spostare la montagna? 500 anni? 700? No, grazie. What's next? An ocean. At the border of the world, a huge ocean. On the shore, the man follows a white bird, an old man, trying to empty the ocean with a silver teaspoon. Same question, same answer. How long does it take to empty the ocean? 1,000 years? 10,000, maybe more?
It's very kind of you. No, thanks. E cammina. L'uomo continua a camminare davanti a sé. Dopo l'oceano, una collina, una foresta magnifica, ma dietro una vallata con un castello di cristallo e oro. Suona la porta. E la persona che gli apre, una donna. Une femme, au visage sans âge, ageless. Gli occhi che raccontano mille una storia. Elle a comme l'histoire du monde dans ses yeux. È qui il paese dell'immortalità? Sì? Vieni, entra. Ti aspettavo. E la porta si chiude dietro l'uomo. E il tempo per lui si ferma. Ici, dans le château de l'immortalité, c'est l'été éternel. Un jardin magnifique, un château immense. You can do whatever you want, whenever you want. And you don't get old. Parce que le temps s'est arrêté. Je voudrais dire, et alors une fois installé dans le château de l'immortalité, bah, le temps recommence à passer, mais non. Il tempo è una successione di istanti presenti. E a forza di essere sempre nel presente, l'homme commence à s'ennuyer. Allora ripensa alla mamma, al papà, agli amici, al suo paese. La nostalgie. E l'obtient. De la femme. Un cheval rapide comme le vent. At one and only condition. Never get off the horse. Si seulement ton pied touche le sol, le cheval disparaît, tu ne pourras plus rentrer, d'accord? D'accord. Et il cavallo vola, galoppa, 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 vola e passa in un deserto dove prima c'era un oceano e quello che vede è solo a silver teaspoon in the sand. E galoppa, galoppa, galoppa e passa davanti la montagna che è stata spostata. Nessuna traccia del vecchio, solo la sua carriola. E galoppa, galoppa, galoppa in una pianura dove prima c'era una foresta. Vede solo l'ascia che l'ha tagliata. E galoppa, galoppa, il cavallo si ferma in una città, allo stesso tempo familiare e sconosciuta. Allora chiede, il demande aux passants, aux enfants, dans les magasins, s'ils ne connaissent pas quelqu'un de sa famille. Personne n'a entendu parler ni de lui, ni de papa, maman, les amis et tous les autres. Un enfant toutefois, qui joue dans la rue, il dit « Ah si, io so, conosco. È la mia nonna che mi raccontava una storia. Et c'est l'histoire d'un homme qui part d'ici pour aller chercher le pays de l'immortalité. Il n'est jamais revenu, cela signifie qu'il est mort. » Ninna nanna, 7:20, che il bambino si addormenti. Si addormenta e fa un bel sogno, si risveglia domani a giorno. Il retourne le cheval e galoppa, galoppa, galoppa pour le reste de la journée. Galoppe, galoppe, jusqu'à arriver à la dernière colline, la dernière forêt, le soleil commence à tomber. Vers l'horizon à l'ouest, les étoiles commencent à s'allumer dans le ciel. Là, il ne galope plus parce que le sentier s'est restreint. Et poi, il cavallo si arresta di netto, perché non può più andare avanti. Lì, sul sentiero. C'est quoi ça? Una vecchia. Una vecchia che cerca di tirar su un carretto. Tutto quello che c'era dentro si è rovesciato sul sentiero e lo blocca. Des dizaines de chaussures tombées dans la charrette, des vieilles chaussures, et la petite vieille qui essaie de ramasser tout ça. Madame, please, could you just get away and free my path, please? Je suis pressée, je dois rentrer. Avec un visage
Presque désespérée, la vieille lui dit « Mais tu vois, je suis très, très vieille. Peut-être, si tu venais m'aider, on ferait plus vite et tu pourrais rentrer tout de suite. » Eh bien, oui. L'homme descend du cheval et à peine il saute pied des toccaterres, il cavallo scompare et la vecchia si raddrizza. Non è pas così vecchia, non è poi così curva, alta, magra, con due occhi grigi acciaio e gli dice: io sono la morte, je t'ai cherché dans le monde, je sais pas où tu étais passé, mais tu vois toutes les chaussures là? Je les ai toutes usées pour te courir après. Maintenant, tu es là, tu dois me suivre. La swish, please. Bien sûr. Mais bien sûr, le souhait du condamné à mort. Vas-y. Laisse-moi regarder les étoiles une dernière fois. L'uomo guarda le stelle et in qualche istante... I suoi capelli diventano bianchi, la sua pelle raggrinzisce, i suoi muscoli seccano sulle ossa, ossa che non lo reggono più in piedi, cade a terra, il suo corpo si disfa, diventa polvere che il vento porta via, ma lui, malgré che son corps maintenant è devenu poussière, il resta accroché aux étoiles et continue de les regarder pendant qu'il tombe. Il tombe au fond d'un trou. Il tombe e si ritrova nel nero oscuro, nel buio, freddo, umido. E poi pure le stelle si spengono. È questo l'inferno, solitudine, umidità, buio, darkness, cold, solitude. Est-ce que c'est ça la mort, l'enfer? Et le temps passe, cette fois oui. Non sa quanto tempo. E poi un giorno vede una luce. E con le poche forze che gli rimangono, l'homme commence à ramper vers cette lumière. Et il grimpe, il rampe, il s'accroche jusqu'à arriver au bout du tunnel. Là, dehors, il y a le soleil. Et la pousse sort à l'air dans la forêt et grandit dans la brise du printemps. Grandit, le sue braccia si stendono verso il cielo, se recouvrent de feuilles qui se balancent à côté des autres arbres. How long? Does an oak can live? Quanto tempo può vivere una quercia? Combien de temps vit un chêne? Cela, maintenant, n'a plus d'importance. Inanna sette venti che il bambino si addormenta e fa un bel sogno, si risveglia domani a giorno. Inanna oggi e ieri e le sporte non son panieri, i panieri non son le sporte e la vita non è la morte. Morte, e la morte non è la vita, la canzone è già finita. Thank you.
Giant's Causeway. La chaussée de géants. There are some who will tell you that this Giant's Causeway was appeared 63 million years ago, when Northern Ireland was on fire with volcanoes, with the magma spewing up from them, and then in a chiasma. The magma was kept hot for a while, then cooled off and gave way to amazing six-sided columns of crystalline granite. And that appeared like a paved road or a giant honeycomb made of stone. On dit qu'il y a 63 millions d'années, l'Irlande était embrasée par des volcans. Et ces volcans-là ont créé des formations géologiques uniques au monde. De colonnes de granit hexagonal sur la terre et dans le fond de la mer. But there is another story behind this unique geological phenomenon. And the story goes thus. Il était une fois, au pays d'Irlande, un géant. Il s'appelait Fionn Mac Cumhain. Il était un géant bon, juste. Il gardait la paix sur ses sujets. Et ses sujets, il l'aimait beaucoup. Il était en fait le roi d'Irlande du Nord. Il était bien content dans son pays. Mais il avait un grand problème. Dans l'autre côté de la mer, au pays d'Écosse, vivait en fait un autre géant. Et celui-là, il ne gardait pas la paix. Il n'était pas intéressé à la justice, à rien de tout ça. Il avait une seule idée dans sa tête. Aller au pays d'Irlande, tuer Fionn Mac Cumhain, prendre ses terres, tasser ses sujets, bref, devenir lui-même le roi de deux pays. Ce géant-là, il s'appelait Benan Donner. Cela signifie la montagne de tonnerre. Et en fait, sa voix résonnait comme la tonnerre à travers de la mer. Et tous les jours, il se promenait sur la plage, il regardait vers l'Irlande et il commençait à insulter Fionn Mac Cumhain. Long ago it was, before my time and before my father's time, in Northern Ireland there lived a giant. The giant was named Fionn Mac Cumhain. Now, Fionn Mac Cumhain was living in peace among his lands, among his people, and among his riches. And he would have been perfectly happy to tell you the truth, except for another giant who lived across the sea 25 miles away on the west coast of Scotland. And this giant was called Benan Donner, and the name itself means mountain or thunder. Well, for some reason, Benan Donner had sworn to kill Fionn Mac Cumhain, take over his lands, take over his riches, become tax his people, of course, and become king of both countries. Well, the two giants had never seen each other, but they had heard their voices from across the sea because they were constantly swearing, probably out of frustration because Benan Donner couldn't get to Ireland to do his plan. Well, the only thing he could do was to watch the sea because he didn't know how to swim. Therefore, out of his sheer frustration, he was there cursing, bawling, screaming, shouting like mad, and saying such unrepeatable Gaelic insults, the most awful, horrendous ones. I won't even be able to tell you what they're all about. En fait, Benan Donner, il avait un grand problème lui aussi. Il avait très peur de l'eau. Il ne savait pas nager. Et c'est pour ça qu'il n'était jamais allé au pays d'Irlande pour tuer Fionn Mac Cumhain. Il restait toute la journée sur la plage à l'insulter. « Toi, espèce de moustique, viens ici te battre avec moi. Moi, je viens te tuer là-bas dans ton pays, toi !» Poltron, viens ici! Well, one morning,
Fionn McCool, he's just sick and tired and weary about all this and just says, enough. Now, he goes out angry, out of his home, and he goes down to the seashore and he sees those strange six-sided columns of stone, and he grabs them with his own hands, and with his bare hands he pushes them into the ground and into the ground, one after the other, and then into the seabed, all the way to the west coast of Scotland. Alors un jour, Fionn McCool, il se réveille avec la voix de Ben O'Donnell dans ses oreilles et il pense assez. Aujourd'hui, je vais en finir avec ça. Il sort de la maison. Il prend de grands colons de granit qu'il avait à côté de sa maison. Il le porte dans un pôle jusqu'à la mer et il commence à l'enfoncer sur la plage, une à côté de l'autre, une à côté de l'autre. Et après, il commence à avancer dans la mer, car il n'a pas peur de l'eau, Fionn McCool. Il continue à se promener dans la mer tout en fonçant le colon de granit, jusqu'à ce qu'il a construit une route. Une route du pays d'Irlande jusqu'à l'Écosse. Et alors qu'il a fini, il est tout satisfait et il rentre chez lui. Il se met sur la plage et aujourd'hui, c'est lui qui commence à appeler Ben O'Donnell et à le menacer et à l'insulter. Now once he's completed his work, he's retreating back to Northern Ireland, stands on the border and calls out, "The killing of the castle on you! You great big bully, just come over and fight with me if you dare, and come over for my lands just if you dare." Well, as much as I love Fionn McCool, this was probably the biggest mistake he had ever made. Because now what does he see from going, coming, booming and running from 25 miles across the sea? He sees the great big Ben O'Donnell pounding and running and making the whole of the sea and the land and the skies all of a tremble. And he sees that Ben O'Donnell is in fact twice as big, twice as loud, twice as heavy, twice as mighty as he is. In a panic, Fionn turns out his heels. He runs all the way to his home and goes to his wife, Una, and says, "Come, come and pack our belongings right this minute. We have to go now. Leave now, and we leave with our lives. If we leave later, we're dead." Uh-oh, peut-être que ça n'était pas une bonne idée de construire la route. Car maintenant, Fionn McCool, il voit l'autre géant qui s'approche. Et alors qu'il est à moitié de le chemin, avec son bâton de voyage qui est un vrai, une chaîne séculaire, et bam, 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 Fionn McCool, il réalise qu'il est deux fois plus large, deux fois plus grand, deux fois plus fort, deux fois plus lourd que lui. Il panique. Et alors, il fait ce que les hommes font alors qu'ils sont paniqués. Il veut voir sa femme. Well, Una is such a beautiful, tall woman, and she's quite intelligent, clever. And she designs, hearing the booming steps of Ben O'Donnell coming from over, she has made up a cunning plan. Elle n'est pas une géante, sa femme. Elle est en fait une très belle femme, mais aussi très intelligente, très fine. Et elle sait qu'il faut penser vite. Il faut faire une plan. So, she goes into the kitchen. Elle prend une potion sonifère. She pours a sleeping potion into her husband's early morning beer. Elle prend le verre avec la potion sonifère et elle l'offre à son mari. In no time at all, Fionn McCool is sound asleep. Alors qu'elle entend ronfler comme une sonnerre, Una, elle sort de la maison. Well now, she strips her husband naked. And she wraps him up in great big bed sheets, just like a baby, puts over his head a baby's bonnet. And now she walks out, takes some wood, takes some tools, and does the most amazing carpentry job you can possibly imagine in like 3 minutes. Designs, manufactures this huge cradle. Elle sort de la maison, elle va dans la forêt, elle prend du bois, elle construit
un gigantesque berceau. Après, elle déshabille son mari, elle le enveloppe dans des draps blancs énormes comme une bébé, elle lui met dans la tête un bonnet de dentelle et elle soulève son mari et le met dans le berceau. Finishing touch, she pushes his thumb into his mouth. And now, just in time. There's the knock on the door. Ben and Donner's there with his red, angry face. Uma, elle se calme. Elle ouvre la porte. Elle lui sourit et lui dit, oh, je suis désolée. Et mon mari n'est pas là. Il a dû oublier complètement tes menaces, tu vois. Il est sorti très tôt ce matin. Il est allé travailler dans le champ. Mais si tu veux l'attendre ici, tu es le bienvenu dans la maison. Where is he, this Irish upstart, who has the audacity to challenge me? Now, let him show his face, or I'll pull his guts out of his ears. Mais si tu veux un conseil, peut-être que sera mieux que tu rentres chez toi si tu ne veux pas prendre un sacré raclet. Mais si tu veux l'attendre, tu peux rentrer à la maison. Una lies to his face, to his angry giant's face. She says, you know, well, Fiona's probably completely forgotten about your threats. She just doesn't remember a thing about it. It's just gone off to the fields to work. And by the way, you can come into the house if you like, but no, seeing the size of you, I'd say you'd better go back now and maybe spare yourself a severe beating. But if you want to come anyways, you're welcome to do so, but... Mais... You mustn't... Il faut pas... Wake... Réveiller... The baby le bébé. Up! Le bébé. Baby? What quel bébé? Baby? And Ben and Donner walks into the house. He sees in the corner the cradle, the huge cradle, leans over it and... Il y a une vision horrible. What a vision! This great big crater, all covered with red hair, ginger beard overflowing the cradle. La peau est couverte de poils rouges, une barbe rousse, la laine pointe de bière, de gibier, d'oignons. Stinking breath, a stale beard and game meat and onion and snoring like 30 wild boars. Il ronfle comme 30 sangliers sauvages. Do you mean to tell me, woman, that this is Fionn McCool's baby? Bien sûr, il est le bébé de Fionn McCool. Est-ce que je ne le sais pas, moi? Je l'ai porté dans mon ventre 3 fois 3 mois, moi. Mais je vois que tu es un peu pâle. Est-ce que tu veux te soir, mon cher? Je veux te préparer une bonne tasse de thé irlandais. I'll have none of your tea, woman. I'll have none of your hospitality either. No, no way. I'm not staying a moment longer in this house, not to see what the father of something as gigantic as that looks like. And here is Ben and Donner grabbing his walking club, an oak tree 300 years old. How long does an oak tree live? By the way, and he walks all the way, runs all the way back to Scotland on the Giant's Causeway, but out of fear that Fionn might run after him and do him injury, he smashes and crushes all the stones all the way from Ireland to Scotland and destroys the whole of his work. Fionn McCool, il se réveille. Il sent la voix de Ben O'Donnell. Pas de question que je reste là pour attendre le retour de le père de ce chose-là dans le berceau. Et après, il attend ses pas, bam, 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 sous la chaussée. Il se lève, il sort de la maison encore enveloppé avec le drap de bébé, et il voit que Ben O'Donnell détruit son ouvrage avec son bâton. Il casse les pierres, bam, bam, bam. Crushing stones, and the sound and the booming noise of it all wakes Fionn McCool. And Fionn McCool
stumbles out of his cradle, nearly trips over his baby's clothes, reaches the seashore and sees the retreating Ben and Donner. And now he sees that he's destroyed his masterpiece. He gets into such a fury. He just leans over to the ground, gouges this whole big, cute clod of earth in his gigantic hand, and he throws it with all his might towards Ben and Donner. Il prend un poignet de terre et il le lance vers l'autre géant. And, well, half drowsy from the sleeping potion, half drunk from the beer, for some reason, this great big clod of earth misses the target completely. And it flies into the air and lands in the right in the middle of the Irish Sea with a mighty splash. Mais il est à moitié endormi pour le somnifère, à moitié ivre pour la bière. Il le manque. Et le poignet de terre plonge dans la mer. Et il forme une île, l'île des mâts. To this day, the clod of earth has become an island which is known as the Isle of Man. And where Fionn Mac Cumhall has gouged the earth from the ground, well, there's still a hole, and the hole has filled itself with water throughout the years, and is now known as Loch Ness. Et le trou où Fionn Mac Cumhall a pris le poignet de terre, il est encore là. Il s'est rempli d'eau pendant le siècle, et on le connaît maintenant comme le Loch Ness. And even to the untrained eye, if you study closely the size and the shape of the island and the size and the shape of the lake of Loch Ness, you'll have to admit there are some striking similarities. Et si vous regardez la forme de l'île des Mâts et la forme du lac Ness, ils sont presque pareils. Maybe you'll travel to Northern Ireland and you'll still see the Giant's Causeway as Ben and Donner left it. Et la chaussée de géants, elle est encore là aussi, à moitié cassée. So I put it to you. C'est à vous de choisir. Quelle histoire voulez-vous croire? Thank you.
Ah, le Nord, la Suède, les femmes au caractère bien trempé, une longue tradition là-bas, vous savez, déjà la reine Christine au XVIIe siècle, elle a fait venir Descartes, il a passé l'hiver à Stockholm, il en est mort. Et puis, il était une fois une reine suédoise qui avait décidé qu'elle épouserait un homme qui serait capable de rivaliser avec elle sur les mots, sur la parole, qui pourrait peut-être même avoir le dernier mot. La rumeur s'est répandue dans tout le pays de la Suède. Mais aucun homme n'a pu défier la reine. Alors, la légende, la rumeur est allée plus loin, vers les pays du Sud, et même vers la Norvège. Et là, tout au fond, dans un coin reculé d'un fjord norvégien, il y avait une petite cabane. Et dans cette cabane, il y avait trois pauvres garçons. C'est toujours les mêmes dans les histoires norvégiennes. Pierre, Paul et Asklad. Ashlad, le cendrillon. The little Ashlad, the little boy, the last one always taking care of the fire. The Ashlad, always thinking. Oh yes, the Ashlad. Jag gillar många grejer, jag gillar samla grejer. Åh, jag gillar grejer, jag gillar gamla grejer, gör du. Askeladd, han likte så gott och ta allt som hon kunde finna runt han. He loved to grab everything he find on his way. Il marchait, direction la Suède, les bonnes affaires. Et puis il marche et tout à coup, j'ai trouvé. Mes frères, arrêtez-vous, j'ai trouvé. What did you find? J'ai trouvé... Une pie morte. Ah oui? Jette-la, ça sert à rien. Ah ben si. J'ai des affaires à faire et ça pourrait faire l'affaire. And they walked, they left the fjord, and now they enter into the forest. Och så plötsligt sa han, lille gutt, lille Askeladden, hej, min bror, jag har funnit. Qu'est-ce que t'as trouvé? J'ai trouvé un panier en osier sans fond. Ah oui, et ça sert à quoi ça? Rien, tu peux le jeter? Ah non. Non, j'ai des affaires à faire, moi, et ça pourrait faire l'affaire, non? Hein? Oh, il a grillé. Oh, il a grillé. Il a comme la grillé, il a comme la grillé. Oh, il a grillé. Il a comme la grillé. Alors, il marche encore. Et puis, en Norvège, quand vous quittez les fjords, vous rentrez dans la forêt. Et là, il est dans la forêt, when suddenly he says, hey, my brother, min bror, mon frère, j'ai trouvé. Qu'est-ce que t'as trouvé? J'ai trouvé. Un coin en bois. Ah oui? Mais il y en a plein ici, ça sert à quoi? J'ai des affaires à faire, ça peut faire affaire. Oh, il a grillé. Oh, il a grillé. Il a comme la grillé, il a comme la grillé. Oh, il a grillé. Il a comme la grillé. And they walked, and they walked, and they walked, and they walked. And now they stop for a little pause in the middle of the forest. Och så plötsligt sa han, lille Askeladden, hey, jag har funnit. Min bror, comment c'est? Mais qu'est-ce que t'as trouvé encore? J'ai trouvé, une assiette cassée. Et ça sert à quoi?
Bah, c'est-à-dire que j'ai des affaires à faire, alors ça pourrait faire l'affaire, non? Oh, yeah, il a grillé. Oh, yeah, il a grillé. Il a gamme la grillé, il a somme la grillé. Oh, yeah, il a grillé. Il a gamme la grillé. Annick, 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 oups! La Norvège, quand vous avez quitté la forêt et les fjords, vous grimpez sur les montagnes et vous arrivez sur les hauts plateaux sans fin. And they walked, and there was nothing rest. And there was the sky and with the stars. On s'en dit va traite, on s'en plötzlich sahan. Hey, mein Bruder, j'ai raffunet. Qu'est-ce que t'as trouvé encore? J'ai trouvé. Deux cordes de bélier tordues. Ah oui? Et ça sert à quoi, ça? J'ai des affaires à faire, on sait jamais, ça peut faire l'affaire, non? Ils quittent les hauts plateaux, ils descendent, et là maintenant, ils voient devant eux le pays de la Suède, les grands champs, recouvert de purin, la richesse, l'odeur. Et tout à coup, Ascolade fait « J'ai trouvé !»« Ah bon? Mais qu'est-ce que t'as trouvé, dis ses frères? Ton intelligence que t'aurais perdue? Et non, attendez! J'ai trouvé !» Une vieille sandale, toute usée. Jette-la avant qu'il soit trop tard! Non! J'ai des affaires à faire. Et ça, on sait jamais, ça pourrait faire l'affaire. Oh, yeah, il a grillé. Oh, yeah, il a grillé. Il a gamme la grillé. Bon, ils arrivent en Suède. Il y a le palais de la reine. Entre-temps, ils se rendent compte que tous les hommes qu'ils rencontrent ont l'oreille droite marquée au fer rouge avec le C, le prénom de la reine. Elle en avait assez de voir les prétendants revenir deux ou trois fois, alors elle les marque maintenant au fer rouge. C'est-à-dire que le frère aîné, Pierre, y rentre. Alors il y a la cheminée, il y a la reine, il y a les braises et puis il y a le fer. Il fait chaud, hein, ici. Eh, il fait chaud, dit la reine, mais pas aussi chaud que dans les braises. Et surtout pas aussi chaud que le fer. Et là, le garçon, il perd tous ses moyens. Il sait plus quoi dire. Alors, un coup de fer et hop, à dégager. C'est Paul qui rentre dans la pièce avec la cheminée, la reine. Le feu, il fait chaud, oui, il n'est pas aussi chaud que dans les braises. Et le fer, et hop, ça lui coupe les moyens. Chac, le fer, et hop, à dégager. Et maintenant, il y a Askelad, the little Ashlad, l'île Askelad some comedian. La cheminée, la reine, le fer. Ouh. Hey, il fait chaud, hein? Ouais, il fait chaud, mais pas aussi chaud que dans le feu, les braises, avec le fer qui rougit dedans. Oh, chic alors. Je vais pouvoir faire... je vais pouvoir faire cuire mon pigeon mort. Ton pigeon mort? Mais non, si tu le cuis ici, il va s'éclater. Oh, s'il s'éclate, je pourrais l'encercler avec le panier en osier sans fond. Mais non, pourquoi? Il est beaucoup trop grand. Le pigeon glisserait en dehors. Hop, alors ça tombe bien. Hey, j'ai une cale. Je pourrais caler le pigeon dans le panier en osier. Dis donc, mais c'est pas vrai. La graisse coulerait partout, elle se répandrait. Mais c'est pas grave. Je ramasserai tout avec mon assiette cassée. Dis donc, dit la fille. Tu serais pas un petit peu tordu, toi? Tordu, moi? Non. Mais par contre, la corne de bélier, celle-là, elle est rudement tordue. Jamais vu une chose pareille, dit la reine. Si, si, on peut. Tiens, en voilà une deuxième, tout au-dessus tordu que la première. Alors la reine l'a regardée, elle a dit, dis donc toi, tu serais pas venu un peu pour m'épuiser?
T'épuiser, toi? Non. Par contre, cette semelle-là, elle est vraiment épuisée. La reine l'a regardée. Elle n'a plus rien à dire. Elle sourit. Il sourit. Ils sourient tous les deux. Et là, c'est comme si elle avait chanté aussi toute sa vie la même chanson. Tous les deux se sont mis à dire. Oh, y'a y la y la greille. Oh, y'a y la y la greille. Venez, venez. Bon, l'histoire ne dit pas s'ils se sont mariés, s'ils ont eu des enfants, s'ils ont chanté, dansé, mais bon. Nous, tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on espère que comme le petit Ashlad, vous avez tout au long de la soirée glané des mots, des histoires, des langues, des univers, des images, et que vous avez fait un long chemin qui vous a mené jusque-là, jusque maintenant. Merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir suivi la soirée, et puis vous savez, c'est toujours disponible en replay.